Bonsoir tout le monde, jeudi à c'est vendredi, ici aux États-Unis, on dit Thanks God is Friday. Merci bon Dieu, jeudi à c'est vendredi. C'est un plaisir pour ensemble pour nous voir actualité. Nous pas c'est Jacqueline Belizère, avec notre grand point qui a dominé actualité. 79e session Assemblée générale l'ONU continue jeudi à New York avec entre autres discours Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui fait connaître que Israël a continué miner Hezbollah jusqu'à ce que lui atteigne objectif. Je saisis. En pile réaction tombée après discours président KPT haïtien Edgar Leblanc-Fils fait dans tribune Nations Unies. Dans New York, magistrat Eric Adams plaide non coupable jeudi pour accusation corruption à crime fédéral. Vendredi 27 septembre 2024, 79e session Assemblée générale Nations Unies a continué avec leader mondial qui continue à présenter à la face du monde compréhension administration yo par rapport à réalité mondiale là. Nous gain sous place yon équipe. D'abord n'a tabli contact avec Valerio Saint-Louis, yon envoyé spécial nou yo. Valerio, ki jan sa ye jodi a dans Nations Unies? Bonsoir Jacqueline, jeudi à Jonso Dilla, c'est vendredi 27 septembre, dernier jour assemblée. Et déjà, nous avons dit que l'ambiance là, on tient gens plus relax, plus décontracté, question sécurité d'abord. Et puis nous remarquons déjà, les médias internationaux qui étaient là, ils ont commencé à paquer l'équipement. Même après Plo, et on a rappelé tout le monde que thème Assemblée Générale ça, et bien thème là, c'était sommet l'avenir. Mais pendant que vous avez dit sommet l'avenir, ils ont ajouté, ils ont dit pas quitter personne derrière. Agir ensemble pour avancement la paix, développement durable et dignité humaine pour génération présente et génération cap vini. Et pour jeudi à vendredi 27 septembre, Jacqueline, il faut qu'on ait qu'il y a plusieurs réunions parallèles qui t'a faites dans la marge Assemblée Générale. Ça. Nous joignons par exemple 57e session Conseil pour Douamoun qui était organisée jeudi à Alicia Balsena Ibarra, qui lui-même c'est secrétaire affaires étrangères pour le pays Mexique, qui était parlé sous problème immigration qui gagne et immigrants qui sous frontière Mexique avec États-Unis. Il était parlé comme ça dans nos conférences. Pour la presse. Nous rejoignons tout l'autre réunion qui était intéressante. Nous retenons le bout. C'est la 7e réunion annuelle sommet financier pour pays africains qui relaie et bien business Afrique l'ouvre pour business. Et puis nous rejoignons tout le conseil sécurité qui était réuni toujours les jeudi. Nous avons parlé sous situation dans le Moyen-Orient et question Palestine dans la donne tout dans la réunion. Ça. Et puis forum sous responsabilité pour violation à crime contre environnement. Environnement qui est un thème qui était très développé pendant l'Assemblée. Ça. Et nous avons essayé de arriver à joindre et bien approche qui est plus global et inclusif dans la loi internationale sous question environnement. Et puis voilà, nous arrivons dans le défilé leader dans l'Assemblée générale, là, sous podium Nations Unies. Et je dis à Fomdio Jacqueline, je dis à ce vendredi, selon la tradition Nations Unies, eh bien, c'est tout pas leader premier ministre pays qui t'a supposé passer défilé sous podium ça. Et je dis à un message, discours qui t'a retenu assistance et attention à pile monde, c'est justement premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui t'a pris la parole. Moi, c'est que c'est ça en gros qui t'a programme pour jeudi à Jacqueline. Oui, et n'a pas pour nous retourner sur discours et Benjamin Netanyahu premier ministre israélien. Valérie, pendant l'assemblée a déroulé ou même rencontré avec un gros officiel dans le département d'État américain sous situation dans le pays d'Haïti. Ba nous un petit gens essentiel dans interview ça. C'est ça, nous avons rencontré avec Mme Barbara Feinstein, qui est assistante députée secrétaire d'État pour les affaires Caraïbes et Haïti. Ensemble avec lui, nous avons parlé sur plusieurs questions, mais nous avons parlé plus précisément sur la participation, du moins la contribution au pays dominicani, selon rumeur qui a circulé, qui a supposé voyer policiers dominicains en Haïti dans le contexte mission MSSA. C'est la première cause que lui-même, Mme Barbara Feinstein, a démenti, et nous parlons plus de l'autre cause toujours. Mais pour le moment, on a regardé un extrait dans l'interview exclusive ça, que VOA Créole est arrivé réalisé avec Mme Barbara Feinstein. Une interview que nous avons chance de garder dans l'intégralité, certainement sous VOA Créole. President Ruto, as you know, was on the ground in Port-au-Prince last weekend. He announced. Comme on connaît, président Ruto était souterrain dans Port-au-Prince week-end passé. Il était annoncé un lot 600 personnels qui pourraient bailler au total 1000 que Kenya te promet là et que il pourra le déployer plus vite possible dans semaine cap vinio et puis dit encourageant tout pour que Jamaïque te voyé premier groupe personnel payo. Et pays Belize tout, d'après ça, nous t'étions hier. Nous espérons l'autre pays pour le déployer bientôt pour personnel payot. Non.
The Dominican Republic, I have absolutely zero information that suggests the Dominican Republic will send police forces to Haiti. Okay. So I think there was some confusion yesterday based on something on social media. The Dominican Republic has said that it will support the medevac. Mais il y a absolument zéro information qui suggérait que la République dominicaine pourrait envoyer force police en Haïti. Donc, je pense que tu as quelques confusions qui fait sur les réseaux sociaux. La République dominicaine t'a dit que les pourrait supporter l'évacuation personnelle salvadorien qui pourrait venir pour aider à l'évacuation ça et il pourrait bail support dans mission ça. Mais dans aucune circonstance, la République dominicaine pas envoyer force la police pour faire partie MSS là. Donc Valérie Otakousodil, eh ben n'a pas gagné mon n'a pas gagné occasion pour ouais toute intégralité interview ça. Mais Valérie, pour finir, qui écho ou gagné de délégation haïtienne surtout après discours président Kapetia Edgar Leblanc fils dans tribune Nations Unies. Faut nous dire que Jacqueline délégation haïtienne dans lui-même tout et presque même ça toute l'autre délégation il a ramassé paquet yo assemblée presque fini bien que il y a toujours l'autre réunion qu'a faite et à côté en dedans assemblée mais faut nous dire tout que délégation hier soir t'ai fait une dernière visite même pas de délégation de préciser que il s'agit du président du conseil provisoire de transition monsieur Edgar Leblanc ensemble avec premier ministre Gary Conille veut que tu es arrivé et rencontrer deux messieurs ça ensemble dans une visite que tu as fait d'abord dans mission diplomatique d'Haïti auprès des Nations Unies, côté que tu as visité mission, employé mission. Yo. Et juste après, dans l'image que vous avez regardé là, eh ben, M. Edgar Leblanc, président du conseil, il a visité le consulat d'Haïti à New York. Une visite très cordiale, une visite décontractée, ce n'est pas une visite formelle, diplomatique non plus. Mais il était intéressant pour eh ben, président du conseil là, et le premier ministre lui-même, faut nous dire tout, accompagné par la ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis, qui était là, qui était cordialement, non, bien sûr, des Italiens à décontracter, te permettre que tu aies rencontré avec employé, nous avons dit, diplomatique dans New York, là, qui t'a aidé justement et travaille au niveau Assemblée Générale. Donc c'est ton visite côté que Fonjo que et la presse n'a pas invité vraiment, mais VOA Creole était quand même faufilé quoi l'entrée. Et justement, collaborateur nous, Gary Altidor, t'es entré ensemble avec Fred Kaimit, il était joint image qui a porté nous là, puisque c'était quand même une réunion en sécurité fermée. Premier ministre, président conseil, il était rencontré avec employé. Donc c'était d'accord, dernier moment ça que passé ensemble. Et quand même, au cas où marqué, nous-mêmes qui regardé là, c'est ton moment à noter, c'était peut-être un rare moment en dehors de plateforme diplomatique officielle yo, que M. Edgar Leblanc et Premier ministre Gary Conille étaient ensemble campés, ils ont parlé et ils ont pris la parole, ils ont fait quand même des prises de position côté que tu as félicité employé deux diplomaties qui t'ont aidé au consulat et certainement mission d'Haïti près des Nations Unies. C'est comme ça que ça et nous avons dit que, mis à part de peut-être rencontre que le Premier ministre lui-même t'a fait de façon bilatérale en dedans et Assemblée Générale là, il t'a rencontré quand même, nous songer avec la communauté haïtienne, là, notamment dans la Coupe Brooklyn, côté que les font belles rencontres avec des leaders communautaires, des leaders religieux. Il était un forum économique qui était présenté et qui était invité la communauté haïtienne là, non seulement à investir en Haïti, mais il faut préciser que le Premier ministre lui-même était prêt à s'habiter pour te même inviter la diaspora haïtienne là, à participer dans les affaires politiques pays en tant que peut-être candidat à n'importe qui poste que le tavelé et certainement pour être capable de voter. Une question qui quand même restait à prisonner en pile dans la diaspora haïtienne là, côté en pile monde, était jusqu'à présent sceptique sous deux propositions ça. En tout cas, en gros, c'est comme ça que la délégation a bouclé d'Acadie semaine ça, dans le contexte 79e Assemblée Générale des Nations Unies, à part de discours M. Edgar Leblanc, président conseil là, qui était bien reçu par l'Assemblée, ça que nous t'ai alors, groupe monde ça qui était réuni et comme employé consulat d'Haïti, qui était eux-mêmes à féliciter le président, mais pensé que n'a bien pour nous, communauté haïtienne lui-même, qui j'en t'ai recevoir discours. Jacqueline. Merci Valério. Valério Saint-Louis, c'est un envoyé spécial dans l'Assemblée générale l'ONU pour Anessa. Et nous pourrons rejoindre l'autre envoyé spécial qui c'est Glorieuse Nelson. Sous qui Jean, presse haïtienne, nan, surtout journaliste qui fait voyage là avec délégation haïtienne, yon, qui Jean y a couvert 79e session Assemblée générale Nations Unies. Glorieuse.
79e Assemblée générale des Nations Unies en un dernier moment li là, même j'ai avec équipe VOA Créole qui était sous place pour permettre ou informer de qui ça cap passé. Gagné journalistes dans divers pays dans monde là qui ont même tout fait déplacement pour informer public respectif yo. Nous croiser avec journaliste qui fait partie de délégation haïtienne qui vini représenter Haïti dans 79e Assemblée générale si là. Il a expliqué nous qui gens yo même yo assuré couverture événement. Qui ça qui intéresse nous le nous avec le nous dans capable dire dans délégation ça yo c'est qui ça chef nous a fait président premier ministre qui ça a fait et le ça nous même nous couvrir eh bien toute rencontre bilatérale toute rencontre multilatérale que nous fait session et nous faire de couverture événement pas aussi facile dès le premier moment mais au fil du temps, nous finissons par adapter nous, et notamment par rapport à la délégation haïtienne, il y a plusieurs rencontres bilatérales, ça a demandé pour nous de nous en pile, et également dans les Nations Unies, entrer à pas facile, et dans le niveau de diplomatie haïtienne, apparemment, nous manquons de qualification et pour accueillir la délégation haïtienne, mais finalement, pour dériver gain accès à certaines réunions importantes. Regardez qui s'accapte sur Haïti, parce que depuis de nombreuses années, Haïti est obligé d'une crise multidimensionnelle. Côté, il n'a pas échappé avec attention au bon chef de l'État. Par exemple, je pense que l'année dernière, Lula da Silva, par exemple, qui était l'ouvri, il débat mentionné Haïti, il y a plusieurs autres chefs d'État qui ont mentionné Haïti. Donc, pour travailler ça en tout, il faut que nous puissions essayer de monitorer qui ça veut dire. Sous tribunal, sous Nations Unies, s'il y a des intérêts pour nous rapporter les lecteurs, pour nous rapporter les auditoires moyens de magie. Jean nous sautouel là, monsieur yo priorisé agenda délégation yo fait partie de li hein et également yo priorisé Haïti dans toute information y a bay autour de 79e Assemblée générale Nations Unies hein. Moi relé glorieuse Stéphanie Nelson pour VOA Créole depuis Nations Unies New York. Merci Glorieuse. Pendant ce moment, nous avons gagné sous place plusieurs envoyés spéciales, notamment Glorieuse Nelson, Fred Kaimit, Gary Altidor et Valerio Saint-Louis, semblier correspondant nous dans Port-au-Prince, Yves Manuel qui fait voyage là à délégation haïtienne. Nous c'est VOA Créole, c'est nous qui avons fait ça. VOA Créole, Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu, parlé aujourd'hui dans les Nations Unies, côté lui dénoncer, ça lui présenter comme menti qu'un leader mondial fait sous Israël. Et lui fait connaître tout que pas de côté Iran et Israël pas qu'à rentrer. Gentil Augustin Junior. I didn't intend to come here this year. Moi pas de intention venir ici là année ça. Pays moi dans la guerre pour rester debout. Mais après me fin tant de menti actoya en pile oraté sous tribune nan voye monté sous Israël moi décidé vini et puis mettez dossier yo clair. Président palestinien Mahmoud Abbas condamné Israël hier jeudi pour agression sans campé contre Gaza. Dans discours Abbas dans 79e session Assemblée générale Nations Unies, li dit: moi pas ici là pour répondre menti premier ministre israélien en bail. Menti li te bail dans Congrès américain dans mois juillet. Là li dit l'Amélia pas touye civil innocent dans Gaza. Netanyahu dit dans discours li dans Nations Unies, Hamas doit quitter Gaza. Sinon, ça pral tourner un danger pour Israël. La bon si Hamas rend tête li, dépose zamyo et puis lage tout otage yo. Mais si li pa fè ça, n'ap goumen jusqu'à ce que nous gen victoire. Victoire totale, pa gen l'autre solution. Avan diskou Netanyahu devant Assemblée générale là, yon groupe manifestant qui te mauvais koukon contre li, te manifesté tout près local Nations Unies. Yehuda Cohen, papa yon otage israélien dit: gouvernement israélien yon pa jis. Li pa fè anyen. Li pa fè anyen ki bon pou Israël. Yo fè tout sa yo kapab pou détrui Israël. Pou explique clair, sa lap di yo, Netanyahu leve de 4 région yon. Yon rele Benediction et l'autre la Madichon, ki parle de Irak, Syrie ak Iran.
I have a message. Mwen gen yon mesaj pou tiran Teheran yo. Si ou frape nou, nou pral frape ou. Pa gen aucun côté nan Iran, la me Israël la pa ka rive. Et ça c'est vrai pour tout Moyen-Orient. Nan sid Liban, Israël continue à frapper base Hezbollah que Iran supporte. Pendant un pile moun pè pour attaque yo, pa mené nan yon la guerre régionale totale. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil Augustin Junior, États-Unis Justice, magistrat New York là Eric Adams plaide non coupable jodia devant un tribunal. Nous parlons des détails avec Sandra Lemaire. Magistrat ville New York là Eric Adams comparaît devant tribunal fédéral Manhattan vendredi côté yo accusé officiellement pour crime. Parmi crime ça yo gagné que l'été accepté contribution illégale pour financer campagne li et puis voyage dans pays étranger gratis que étranger qui tape chercher profiter influence li te voyé Bali. Adams pas parlé avant l'été entré dans tribunal fédéral là. Inculpation contre li a accusé magistrat démocrate là d'est-ce que l'été accepté une série cadeau qui pas approprié nan men responsable ak businessman la Turquie. Yo accusé le comme quoi l'été fait vacances dans chambre hôtel gratis et puis joui billet avion ak aucun chaîne rabais pour voyager dans pays tant kou la France, la Chine, Sri Lanka, Inde, Hongrie, Ghana et puis la Turquie. Avocat accusation yo pas précisé exactement qui ça Adams te fait en échange pour moun ki te bali cadeau sa yo. Sandra Lemaire, VOA, Creole, Washington. Merci Sandra. Dans l'autre nouvelle, président ukrainien Volodymyr Zelensky profitait de participation dans l'Assemblée générale l'ONU pour faire plusieurs rencontres spéciales avec surtout à go autorité américain. En allouez à vibrer. Président ukrainien Volodymyr Zelensky réalisait un viron rempli aux États-Unis, nous voulait dire dans New York et Washington. Il prend la parole dans la tribune l'ONU, côté il dénonçait l'agression de la Russie et considérait président Vladimir Poutine comme un terroriste. Il était profité faire plusieurs rencontres bilatérales et réunions multilatérales. Après ça, il était rendu Washington dans jeudi, côté il rencontrait quelques membres congrès, avant président Joe Biden recevoir dans la Maison Blanche. Et il fait chita parler tout avec vice-président et candidat à la présidence démocrate Kamala Harris. Et enfin, il était retourné à New York, côté il fait chita parler avec ancien président et candidat à la présidence pour le Parti républicain, Donald Trump. Pendant voyage, président Zelensky présentait un plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie qui passait pour lui-même par un renforcement pays Ukraine. D'après une source de la Maison Blanche, administration Biden voyait by Ukraine une assistance militaire qui totalisait 375 millions de dollars. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue creole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue creole haïtienne. Actualité à dans pays d'Haïti, réaction positive sous discours président conseil présidentiel transition. Edgar Leblanc, fils, dans 79e session Assemblée générale Nations Unies. Renan Toussaint, depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. La bataille de Savannah en 1779. Nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. Les passions qui discours émergent naturellement... Discours président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, sous tribune Nations Unies, jeudi 26 septembre 2024, là, sous point Tankou, démarche pour restitution d'aide indépendance là, à pour transformer mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, à une mission l'appel l'ONU, soulever réaction positive, bon côté certains leaders de la classe politique haïtienne, n'a pas mis yo, ancien député Felito Doran. Demande ça, il fait de président Edgar, yon gros président, yon grand président, qui capable d'attirer attention tout peuple haïtien, côté que li aborde questions haïtiennes dans toute son essence, dans tout son contenu, côté que vraiment lui exiger et paiement d'être ça. Nous applaudis, nous apprécions ça. Bon côté parle, met Wilson Joseph, leader parti politique Mouvement Jeunesse pour refonder Haïti, M. Jira, dit sous question qui est liée à remplacement force multinationale, soutien à sécurité en Haïti par une mission paix Nations Unies, c'est un pas vers la bonne direction pour résoudre
problème insécurité. Comme Haïti, c'est membre fondateur l'ONU que nous y est, alors nous demandons une force multinationale qui pour nous demander remplacer force multinationale que Américains remettent bas ici par une mission de paix en Haïti. C'est bien nous réclamer li, mais li tout expliquer. Parce que nous te prenons ministre déjà, nous te prenons tout l'autre. Et bah, déjà, c'est viol, c'est choléra, c'est tout bail, ça a été porté. Mais il est tout expliqué avec eux, son bail qui doit réviser et corriger. Bravo, président Edgar Leblanc. Et, mais nous toujours comprendre que nous, quoi, nous approche de souverain. Nous, quoi, que pays d'Haïti, nous toujours demander que, et seul sa présidente demander, c'est pour demander que, pour, États-Unis levé embargo qu'elle mettait sur le pays d'Haïti. C'est un dossier n'a suivre Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer ou faire le bon choix. Donc pas déplacé n'a tourné. C'est notre café ça jeudi à ce vendredi, nous gain rendez-vous avec Jude Déonceré dans nouvelle sous HMI la musique haïtienne. Jafem t'est performé pour première fois dans Sounds of Little Haiti dans Miami vendredi sur le passé là en présence plusieurs centaines mélomanes qui t'est venu entendre jazz là. Jafem t'est joué Pifo Music qui sous premier album ni et en pile monde t'a chanté dansé pendant toute soirée à sorti 9h pour arriver 11h à souhait. Après performance là, ni maestro d'NRCI, ni chanteur Réginal Kangé, pas vle parler avec la presse. Quelques mélomanes qui étaient présents, t'es manifesté, qu'est content yo, dans micro, VOA Créole. Première fois, m'vin dans Jafem, tout bagan m'a dit, Jafem bien performé, et tout le monde est content. C'était exceptionnel, vraiment, vraiment, vraiment satisfait à soi. C'est un terrible fête que vous organisez, c'est un bail sur le plan culturel qui sont gros exploits. Et je pense que c'est un embarré qui prouvait que la communauté haïtienne est une communauté qui est forte et que nous avons fait un pile bagarre pour nous faire respecter nous en pays. Le festival a fait un campé lorsque, pour Pipiti, il y a un monde qui pas de sentir bien, t'es obligé de quitter le festival là sous civière. D'après ça, nous t'es arrivé à constater. La température a été en plus passé 90 degrés et t'es en pile monde dans la soirée. L'autre nouvelle pour journée jeudi, samedi qui se passe là, c'était soirée Ventignature, nouveau album, groupe musical Japot dans 2-4 restaurants dans ville North Miami. Une soirée qui était marquée par performance Japot, qui était joué musique qui n'en répertoire li et sous nouveau album non. Pierre-Michel Émile, alias Pedro Foss, chanteur fondateur Japot, t'es dans micro, VOA Créole, après performance li. Album là c'est We Are Ready, il y a 14 musiques sur lui qui est marché, il y a 3-4 hits qui est sur l'album là déjà qui a fait actualité tout côté. Nous sommes dans là, tout le monde enjoy, tout le monde prend plaisir dans Japot. Pour nous avancer, nous pas dans polémique avec personne qui va le retarder, nous voulons veiller l'autre pour nous pas une bonne musique. Nous même avancer, nous pas avancer, nous pas gain temps pour polémique. Bon, nous même supposé prendre un petit break pour mois d'octobre là pendant 2 semaines pour me faire vidéo parce que nous avons vidéo fait que soit les mots compliqué et puis n'a ballon titan pendant cette nouvelle cour ils font l'autre encore parce que nous pas voulez sans même fun by fanatique au bagaille à temps et puis pour jazza fait ça le pour le faire. Pour nouvelle souvedette au sauver wa créole non pas monsieur Jude on serait Miami. Merci Jude et Konya, mesdames messieurs, nous pour aller dans ville Paris. Dans le pays la France, eh ben gagné un photographe et AFP agence Ouest qui constaté yo retiré anneau olympique qui dans tout effet là qui était dans monument depuis dans mois de juin qui se passait là. Il y a tant pour yo mettre Konya yon l'autre qui plus durable et pour le rester juste dans année 2028 d'après magistrat ville Paris Anne Hidalgo. À nous, yo gagné 5 couleurs, yo mesuré 29 mètres dans longueur et 15 mètres dans hauteur. Magistrat souhaitait que symbole Olympissa, les belles rétés dans monument emblématique capitale là, jusqu'à ce que Jeux Olympiques 2028 yo, dans Los Angeles va arriver. Mais, chaque fois, on dit que c'est pour, projet ça, il provoquer un pile critique. Quand critique bon côté défenseur patrimoniaux, descendant Gustave et Fell. Donc c'est une situation que n'a pas su pour. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme, on a rappelé que
eh bien, 79e Assemblée Générale Nations Unies. Eh bien, les presque arrivé dans bout. Nous sommes gain reportage Valérie Saint-Louis avec Glorieuse Nelson. Eh bien, nous pratiquement arrivé dans fin programme. Non, merci d'être que avec nous pendant ce maintenant. Pas oublier, si vous avez un changement, eh bien, on va faire nous connaître. Fait nous connaître parce que ça fait nous un pile plaisir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Et nous saluons tout le monde. Monsieur qui était dans nous, monsieur dame qui était dans New York. Et bien Gary, Glorieuse, Fred et Valério, m'a souhaité nous tout passer une bonne semaine. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Et nous souhaitons que nous-mêmes nous prenions précaution et que nous restions en vie. Moi, c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir. Lyon, qui te vini recevoir accueilli PM Gary Conny dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Et quant à président conseil, Edgar Leblanc fils, n'a prendre que monsieur a vini a retourner à Haïti dimanche cap vini là. On commence avec ça pour nous comme information. Et nous allons regarder et l'autre point comme information, puisque jusqu'à présent, un pile débat continue à faire sous discours Edgar Leblanc Fislan sous tribune des Nations Unies. Dans forme et dans fond. Mais moi-même, je voulais encore rester dans le fond que femme. Je me dis femme par rapport avec il y a un problème protocole qui arrivait. Il y a un problème protocole qui arrivait. Et problème protocole qui arrivait, hein. Que je dis à en pile dans nous comme haïtiens. Nous plus mettre focus sur lui que nous aller dans fond discours là. Mais moi-même discours est en fait discours est passé pour moi-même. C'est vrai, la rete dans l'archive. C'est vrai, les bouleversé communauté occidentale et internationale. Les bouleversé Nations Unies. Les bouleversé la France. Mais je dis, hein, en nous gade retombe. Jodi, en commence réfléchi sous retombe sa pral genye. Est-ce que la yon retombe positive que nous souhaite? Nous souhaite que le tadre yon retombe positive au lieu yon retombe négative. Mais comme nous gagnons agenda dans nous-mêmes, en pile fois que retombe yo, pas jamais retombe positive. Elle dit, après un pile discours, après un pile parole, après un pile intervention, retombe yo pas jamais positive. Et ça fait, ça continue à mettre doute, ça continue à mettre en pile réflexion. La caille autorité nous yo, la caille peuple haïtien, la caille haïtien qui dans diaspora. Ekounia. Moi vle que nous gade. Moi vle que nous questionner.
après son participation à Haïti dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies, pays attend ça pral venir. Pays attend série rencontre. OK. Pays attend série rencontre qu'a fait qui t'est fait yo. Société attend série rencontre qui t'est fait yo. PM Gary Conny qui était dans délégation ça et qui était allé bien avant l'autre monde et par la suite d'après le conseil président Leslie Voltaire et lui-même tout il était fait une série de rencontres Edgar Leblanc fils avant même qu'il te prenne la parole sous tribune Nations Unies. Il est après le fait une série avant même défaut. OK? OK? Même Edgar Leblanc fils, oui? Il est après le fait une série rencontre. Avant même que elle te prenne la parole sous tribune Nations Unies, qu'on a nous préalrété gardé. Est-ce que rencontre ça ou pas préalrété dans quatre promesses? Est-ce que rencontre ça ou pas préalrété dans quatre shows médiatiques? Parce que nous t'es ouais. Parce que nous t'es ouais que la primature équipe PM nan nèg yo tellement ta produit texte et vidéo photo avait dit PM nan te nan rencontre sérieux PM nan te nan rencontre sérieux on comprend. Kounia, rencontre X, rencontre M, rencontre P, rencontre Z, rencontre O, rencontre R. Kounia, angade. Ça pral vini yo. Parce que PM nan te dit clairement, li fait partie délégation, pendant que li apge pour profiter rencontrer un ensemble de diplomates, un ensemble d'ambassadeurs, un ensemble d'autorités, pour que l'al mande yo respecte engagement ou pren envers Haïti. Pour yo pas minimiser crise que Haïti a koné là. Pour yo pas minimiser. Pas minimiser crise Haïti a koné là. Et ça PM nan dit. Et respecte promesse envers Haïti. Et en même temps tout, si y a de l'autre rencontre, si y a de l'autre demande qui a fait pour Haïti, pour aider Haïti, pour supporter Haïti, que lui-même l'a profité faire de rencontre ça yo, et pour comment que yo capable aider paysan sorti dans ça lié là. Et si jodi an la, si jodi an la, que nous pas commencer à comprendre que Haïti chéri nous, an, bel si pays sa, que ne diap de pas fini an, bel si pays sa, bel paysage sa, que l'Occident impérialiste
yo mette pour yo finir avec l'an. Je dis le ken kopren. Je dis le ken nous gade. Pour nous prendre engagement. Pour nous prendre responsabilité nous. Pour nous permettre que Haïti chéri nous. Haïti maman doudou nous. Pour le sortir dans la situation, dans la misère qu'elle trouvait le jour et jeudi. Moi, je voulais que, quel que soit le conseil présidentiel, quel que soit le gouvernement connu, moi, je voulais comprendre. Je veux comprendre ça qui est là. Okay. Et de même tout, des séries de secteurs, des séries d'acteurs, et peuple haïtien, comprendre. J'aime d'aujourd'hui. Nous pas qu'arrêter dans éternel de transition. Non. Nous pas qu'arrêter dans éternel transition. Non, c'est pas capable. C'est pas capable. Ça veut dire faut gagner action qui pose. Ça veut dire faut gagner nécessité. Faut qu'il y ait de disposition. Faut qu'il y ait de engagement. Qui pour prendre et pour permettre que nous avancer, pour permettre que nous progresser, permettre que nous avancer avec pays ça qui est les Haïti non. Je dis en nous tous sommes d'accord avec moi que nous tous faisons le même constat. Nous tous faisons le même constat. Bah oui? Nous tous faisons le même constat. Et le constat que nous faisons, c'est un constat qui dit que pays n'a pas arrêté, continue à arrêter dans sa lié là. Haïtien pas droit continuer à arrêter à vivre situation qu'on est là. Nous tous d'accord, nous tous dit, nous tous fait comprendre que faut que ça change, bah oui. Faut que ça change. OK. Je dis, hein, je dis, hein. Je dis hein, que les que nous gardons réalité, hein, les que nous gardons situation, hein, les que nous avons gardé ce qui a passé là, yo, nous tous d'accord que le pays n'a pas arrêté comme ça. Nous tous d'accord que faut que on a se poser. Oui. Nous tous d'accord que pays en gel pralé en là non, li pas normal, li pas logique, li pas acceptable non, nous tous d'accord ça.
Nous tous d'accord ça. Ah oui? Nous tous d'accord ça. Je dis, hein, ça me l'est que chaque haïtien comprenne. Je dis, hein, c'est quoi que bataille et goumen pour retirer Haïti dans ce salé-là. Ok? Yeah. Yeah. Je dis, hein, je crois que c'est important. Et il y a un 7 octobre qui est arrivé là. Il y a un 7 octobre qui est arrivé là. Et 7 octobre qui est arrivé, hein, c'est qu'on est que, est-ce que Edgar Leblanc-Fils a continué à être comme président conseil là? Ou dis-moi, est-ce que c'est qu'on est, est-ce que Smith Augustin pourra lui-même remplacer Edgar dans la question présidence tournante que Nekyote mette campé en dedans conseil présidentiel transition? C'est chercher qu'on est sacral fait là. Parce que où est là? Jusqu'à présent, ULCC poko bay rapol. Bien que dénonciateur qui c'est ancien président conseil administration BNC, hein? Monsieur Raoul Pierre, lui, qui était longé de Wetli sous trois conseils présidents, en parlant de Louis-Gérald Gilles, représentant à quoi 21 décembre, Smith Augustin, représentant Red Aidé et Compromis historique, Emmanuel Vertiller, représentant Petit Dessalines. Il te dit que trois monsieur Sayo, il a demandé 100 millions de goudes pour être capable de reconduire le poste comme président conseil administration BNC. Et ça, dénonciation théye. C'est ça, révélation théye. Bon côté avocat, Raoul Pascal Pierre, lui. Maître Sonnet Saint-Louis. Mais, plusieurs fois que yo invité ULCC, invité Raoul Pierre lui, et même nos confrontations face à face, il ne s'est pas mis des pieds. Il ne s'est pas mis en Haïti même. Avocat l'a dit non, qu'il n'a pas qu'à venir parce que si, parce que ça, parce que c'est, parce que B, parce que Z, parce que pile raison. Pas de question de sécurité, pile parole, pile causé. Ok? Pile causé, pile parole. Et je dis, hein? T'as bon compris? Est-ce que tout ça, yo, by raison? Pour, avec ensemble de escripti, ensemble de organismes, ensemble de partenaires qui eux-mêmes, oui. L'herbe garde situation pays, hein? L'herbe garde réalité pays, hein? Yo dit hey, yo pas croire non capter ça
Parce que il y a trois monde dans cité et dit pas gain doute, il pas confiance de monde ça yo. Parce que dans cité dans de scandale de corruption. Dans cité dans de scandale de corruption. C'est quoi bon? A dit jodi hein. Ça me lekin comprendre. Ça me lekin garder. C'est comprendre que jodi hein. Réalité pays. Après, à quoi 21 décembre, il y a pas dans pas dans Kébé, le Géraldi, patati patata, il n'y a pas dans ça. À quoi 21, il y a aidé, compromis, mais surtout aidé, qui c'est Claude Joseph. Il était même demandé avec Smith Augustin à retirer le col. Bon, après Elvinzo, mon dossier Smith Augustin, son page tournée, je souhaite la bonne chance et aidé, mettez le bon côté l'histoire. Bon, par contre, ça va dire voilà. Et celle petite Dessaline, à travers Jean-Charles Moïse, qui était solidaire jusqu'à où on a parlé en là, avec conseil Emmanuel Vertilaire, et on va pas dire rien s'il a demandé pour le tirer col ou pas. Il était attaché avec Emmanuel Vertilaire. Il était attaché avec Emmanuel Vertilaire. Je vous dis, je veux que chaque monde comprenne ça. Je dis, je veux que chaque monde garde ça. Ça qui est là comme situation, ça qui est là comme réalité, c'est comprendre que, en pile fois, pays ça, nation ça, société ça, l'imander pour nous vraiment questionner. Demandez vraiment pour nous dire que est-ce que nous voulons Haïti avancer. Moi-même, je dis oui, je voulais Haïti avancer. Et je crois que Désir Venesse a dit même bagarre. Et toute équipe met 5 nouvelles là. Blaise Info, pas une nouvelle. Votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïtien. Nous tous a dit même parole là. Et un peu l'autre confrère, consoeur, qui dans les médias traditionnels ou dit moi dans les médias en ligne, nous tous a dit même bagarre là. Nous besoin on l'autre Haïti, nous pour l'autre Haïti et nous croyons l'autre Haïti. Pas vrai? Nous tout a dit même bagaille là, changement Haïti, libération Haïti. Pas vrai? Nous tout a dit même bagaille. Et je dis hein, réalité en devant nous. Je dis hein, société en à regarder, à comprendre comment que pour nous goûter, comment que pour nous sortir dans cette année-là. L'autre sac que nous avons comme information, selon notre, la police mettait dehors, vendredi 27 septembre 2024, là, des 5 individus. La police dans le département centre d'Haïti a arrêté. Pour présumer implication yo dans ensemble de action malhonnête dans le département centre d'Haïti. Qui Jean Nex a relé qui est sué la jio tout ça côté au sorti côté à vivre dans le département centre d'Haïti on va regarder. Bon c'est atteint de Duverger mon gramme qui gagne 27 l'année monsieur Sénèque tout le monde. Yo arrêté monsieur pour détention illégale zam à feu calibre 9 mm 10 projectiles et un chargeur du verger mon gramme 27 l'année nek tout monde. Gain Pierre Françon 40 l'année. Monsieur Sénèque c'est Kakavajal. Yo arrêté monsieur pour braquage et association malfaite. Pierre Françon. Gain Jean-Luc Meus, 26 l'année. Monsieur Sénèque Port-au-Prince. Yo arrêté monsieur pour tentative assassinat. Gassner Dorville, 25 l'année. Nek Pignon. Arrêté monsieur pour voler moto.
et gen Ataïl, mais Ataïl, Saint-Il, 35 l'année, Nexe Kakavajal, arrêté monsieur pour braquage et association malfectée. Et pour qu'on y a, il a placé tout ça dans garde à vue pour suite. Next, monsieur Sarabini, c'est pas monsieur seulement. Tous les Nexa, il y a dans garde à vue pour suite. Nécessaire. Poursuite nécessaire. Ça veut dire là, autorité, yo, yo pas seulement mette focus là sur Port-au-Prince, mais semble tout, yo mette l dans quelques autres villes province. Yo pas seulement metel dans Port-au-Prince, mais je metel tout dans quelques villes province. Et nous connaissons bien. Et nous connaissons très bien que département Santé d'Haïti. OK. OK. Département Santé d'Haïti. Li c'est un département même Jacques Grand pays. Hein? OK. Côté que moun yo mobilisé, moun yo motivé plus que jamais. OK. Moun yo mobilisé, moun yo motivé plus que jamais. Puis yo capable joindre résultat. OK. Ça veut dire jeudi, hein. OK. Jeudi, hein. Mais que ça clair dans tête non, nan niveau que